Allez, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche. Petit tour habituel de mes élevages. On va commencer comme d'hab à parler de mes sœurs Barbarus. Hein. Toujours en pleine activité. On a mis pas mal de couvain ici. Ouais, voilà, on a encore un petit peu ici aussi. Ouais, au fond, dans le nid, on en voit encore. Il y en a ici, ici. J'arrive pas à vous montrer si je fais comme ça. Voilà. Ah bah, si je recule mon doigt. Voilà, et ici. Je vais vous rapprocher après. Voilà, tout se passe bien. Un peu de mortalité comme d'habitude. Bon, elles ont bien intégré leur aire de chasse. Hein. Elles ont fait des petits dépotoirs au pied des arbres. Hein, ici. Il y en a ici aussi. Alors, elles ont commencé à grignoter un petit peu le plâtre. Ici. On voit bien. Hein. Plein de petits coups de mandibule. Et en fait, elles l'ont fait quasiment. Tout le long en bordure, là où le plâtre était faible, on voit là, du coup, ils ont fait tomber des déchets à l'intérieur. Ici, de ce côté, pareil, elles ont grignoté un peu. Pour l'instant, elles n'ont pas réellement creusé de trou, elles ont pas mal grignoté. Elles ont mis des déchets un petit peu partout. Ouais. Ben voilà quoi, elles se promènent. Tout se passe bien. Un peu moins de mortalité cette semaine, je pense que ça y est, ça s'est calmé. J'ai toujours pas compris pourquoi. Hein. J'ai remis de l'eau là-bas, j'ai remis de l'eau ici, toujours dans mes abreuvoirs. Voilà, quelques-unes, j'en compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadavres. J'ai nettoyé avant-hier. Donc voilà. Putain, pendant cela, je les ai comptés, vous avez rien vu. Donc voilà, ça c'était pour les messors. Habituellement, ça tout va bien, je me fais pas de soucis. Je vais encore l'essence qui arrive. On va passer voir ma structure qui maintenant a 4 ouvrières, bah ben 5. Donc il y en a encore une qui est née. Elles étaient 4, maintenant elles sont 5, c'est cool. Ça avance, on voit une petite grappe d'œufs dans les mandibules d'une des ouvrières, là juste devant. On voit encore de la larve au fond. On voit encore une nymphe. C'est quoi là? C'est une deuxième nymphe là-bas? Il y a une larve marron. Oh, c'est pas mal, ça avance. Bon, elle commence à avoir foutu. Il faut que j'enlève le résidu de verre de farine. Parce que ça c'est pas bon. Ça va apporter des acariens pour rien. Je vois qu'il y a 2-3 graines qui ont commencé à moisir. Je vais essayer de les changer de tube. Celui-là est vraiment crade de chez crade, quoi. Voilà, on voit la grosse graine là qui a été grignotée. On voit bien le côté blanc. Enfin voilà, tout se passe bien pour elle. Espérons que ça continue. Hop, on va fermer ça. On va aller vous chercher. Je vais vous chercher. Je vais vous laisser la vision là. Attends. La Manica rubida. Hop, ah bah là pour une fois on va voir quelque chose. Non, rien voir du tout. Voilà. Hop, je vais essayer de vous zoomer ça. Ah, oula, je tremble. Un bon gros couvain. Un bon gros couvain avec des nymphes, des larves, des œufs. Voilà. En ce moment, elles sont nourries à base de moustiques. Bon, elles aiment ça. Hein. On est envahi par les moustiques tigres ici. Et du coup, on les éclate, on les fuit aux fourmis. Elles se régalent des moustiques. Donc ça, c'est pas mal. Là, on peut les voir. Ah, attendez, j'ai ouvert l'aire de chasse. L'aire de chasse. Ah, le dé à coudre de chasse. Parce que là, on peut pas appeler ça une aire de chasse. Voilà, et si je mets de la lumière, c'est pour les voir mieux. Tic! Voilà, mesdemoiselles qui se promènent. J'ai mis de l'eau, du sucre, comme on m'a conseillé. Elles sont venues manger vite fait. Mais bon, j'ai l'impression que ces espèces-là raffolent beaucoup d'insectes et les liquides sucrés, c'est vraiment une alimentation secondaire. Elles sont tout le temps en train de fourrager ou chasser. Dès que je mets une mouche, une connerie, elles sautent dessus. Elles sont voraces, celles-ci. Là, on voit bien les petits points de gêne. Parce que je vais réussir à faire une mise au pot au milieu. On voit bien le couvain, quoi. Les larves bien nourries, elles ont bien un point noir. Il y en a qui sont bien jaunes. Alors je pense que c'est au début quand j'ai mis le liquide sucré. On voit bien une belle grappe d'œufs dans les mandibules de la reine. Enfin voilà, quoi. Ça évolue bien. Elles se baladent à son speed, celle-là. Bon, toujours de la terre dans leur bouffe. Hein. Je pense que c'est pour éviter les noyades. Elles mettent ça dès que le liquide déborde. Donc voilà, un reste de verre de farine. Alors là, j'ai nourri ou au vivant ou au fraîchement écrasé, entre guillemets. Hein. Et je m'aperçois que c'est ce qu'elles aiment, quoi. Le verre de farine congelé, elles sont pas, courent pas après. Par contre, dès que je mets de la mouche vivante ou autre chose, ça va. Je vais vous montrer, du coup, je sais pas, attendez, ça va être problématique. À une main, ça va être compliqué. On va essayer de le monter sans tout casser. Hop! Mélasus. Mélasus niger.
Donc là, bah, c'était mardi, il me semble bien, la première expérience de les rassembler, celles qui avaient perdu leur reine et celles qui avaient leur reine. J'ai fait une petite aire de chasse comme ça. J'avais dit que je les passerais en aire de chasse. Alors j'ai mis un peu trop d'huile de paraffine, mais j'avais vraiment peur qu'elles se barrent. Voilà, elles ont un petit caillou. Je vais dézoomer, ce sera plus simple. Elles ont un coton, parce que j'ai trouvé quand je mettais du liquide, elles essayaient de nager, j'aimais pas trop ça. Donc un petit bout de nœud, même pas du coton, j'ai mis du sopalin avec de l'eau et du sucre dessus. Voilà. Donc maintenant, au bout de 5 jours, ben, ça se développe bien, la reine est bien nourrie. Vous allez voir. Désolé. Hop, je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Ça manque de lumière, c'est toujours. On a vraiment un gastre bien gonflé. Donc elles étaient 14 maintenant. Alors il faudrait faire un œil sur image pour pouvoir les compter, mais ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ça y est, elles se sont déjà remélangées. Bon, on les comptera pas. Le couvain, bah, du coup, est énorme, hein, puisqu'il y a le couvain des deux fondations. Donc ça va faire une explosion. On voit en haut, elles sont un petit peu plus claires. Je pense que les deux qui sont dans l'angle tout en haut à gauche, à mon avis, elles sont arrivées il n'y a pas très très longtemps. Ouais, je pense. Mais j'arrive pas à les compter. En tout cas, elles sont super actives, quoi. Ça se passe bien. Donc pour moi, adoption réussie. Maintenant, au bout de 5 jours, je pense pas qu'elles aient envie de me défoncer la reine. Enfin, j'espère. Ça m'embêterait un peu. Alors, je vais le laisser là pour l'instant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la Tétramorium. Tétramorium qui avance tout doucement. Voilà, on voit des plus claires, des petites naissances. Faut que je leur change leur bouffe. Elles m'ont collé tous les déchets possibles, du coup, c'est en train de moisir. Voilà. Très peu de couvain. Je suis étonné. On voit rien à cause du tube dégueulasse. Très très peu de couvain. Ça avance tout doucement. Et après, on a la Capitatus là-bas en dessous. Je crois qu'elle m'a bouffé ses larves, donc je vais pas aller la déranger plus que ça. Attendez, ça va pas être joli là, mais je vais ramener Mélasus au noir. Voilà. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que du coup, Turkestanus, elle est toujours dans le même tube. Elle a enlevé ses ailes, mais elle n'a toujours pas pendu et je lui ai toujours pas mis de bout de bois. Donc ça va pas l'aider. Et sinon, j'ai trouvé ici une petite Emerginatus. Les sémages en ce moment, on en a un peu beaucoup. Et celle-là se promenait sur le carrelage dans la maison. Elle avait enlevé ses ailes et tout, donc. On a récupéré, on l'a mise dans un tube, et puis voilà quoi. 3 jours, elle a déjà bien pondu, quoi. Petite émergée, elles sont jolies, les émerginatus, pardon. Vous voyez peut-être pas bien ses reflets, mais elle est bien bien belle avec son petit cul en pointe là. Donc voilà le tour de cette semaine. Donc mon aire de chasse qui fonctionne à merveille, mes fourmis qui se baladent. Bon, par contre, du coup, il y a un truc que j'avais pas pensé, c'est que pour aller nettoyer là-bas au fond, bah, je m'emmerde grave, quoi. Il faudrait que j'ouvre le couvercle à chaque fois, mais bon, dès que j'ouvre, ça devient le bordel. Voilà. Là, on va voir encore un peu des naissances là qui arrivent. On a quelques-unes qui commencent à se colorer. On a des très très grosses larves. Ça fait un moment que j'aurais pas donné de verte farine ou de protéines, tiens. Il va falloir que j'y pense. Le pain de fourmi, il y en a en quantité. C'est marrant comme déplacer les larves sans arrêt. Ici, on a des potoirs qu'elles conservent. Je pensais qu'elles arrêteraient, bon, à vrai dire, je leur ai mis de l'eau, donc je pensais qu'elles arrêteraient d'utiliser cette aire de chasse, mais elles continuent. Et ici, ben, là, c'est carrément adopté comme le nid, quoi. Comme je n'ouvre plus, il n'y a plus de changement d'air à l'intérieur, elles squattent dehors comme si elles dormaient. Voilà. Allez, on a fait le tour de mon petit élevage. Bon dimanche à vous. Allez, ciao ciao.